Salut à tous, c'est Vincent de Gosse. On vous a interprété un morceau de Prince qui s'intitule Head, sorti en 1980 sur l'album Dirty Mind. J'y étais accompagné pour cet extrait de Basilotte à la batterie, Timothée Domange à la guitare et Romain Lambré au clavier. Donc avec mon batteur Basile, on va vous jouer le riff plus lentement, avec la petite intro du début, le fil de fin qui est très facile, voilà. Voilà, donc le petit fil de fin, en fait, il faut savoir que c'est les trois premières doubles de la première mesure, on ne fait pas la quatrième double. Donc il faut faire sol, mi, la. On ne joue pas la quatrième double. Et on enchaîne sur sol, bémol, ré, sol. Sans jouer la quatrième double. Et on a tout le riff du morceau. Voilà. Bonjour à tous, c'est Richard Ferry. Je remercie Adrien Guingal et Yann Friedrich de m'avoir accompagné sur ce titre Sexy Dancer de Prince, issu de l'album éponyme sorti en 1979. Donc je voulais jouer sous une certaine forme, introduction, riff A, riff B, riff A, riff C. Donc maintenant on va voir ces différents riffs plus lentement et séparément. On commence par l'introduction. Donc ça dure qu'une mesure, on joue la double croche avant le premier temps et celle juste avant le troisième temps. Passons au riff A. Deux parties dans ce riff. On commence par un hammer de Do à Ré, une croche à l'octave en dessous et deux doubles croches sur le E du 2. La deuxième partie, le hammer se fait à l'octave en dessous et on revient sur un Do. Maintenant le riff B. Donc dans cette partie, on a une première partie qui est identique au riff A. Et ensuite, on vient jouer la double croche avant le temps et celle sur le temps, pour les temps 1 et 3. Voilà. Et pour finir, la partie C.
Voilà, dans cette partie, on laisse une mesure de silence entre chaque mesure jouée. Salut à tous, je m'appelle Thomas et je viens de vous présenter The Everlasting Now de Prince, extrait de l'album The Rainbow Children, sorti en 2001. Donc je remercie Baptiste Viala à la batterie, Charles Huette au clavier et Paul Belleville à la guitare de m'avoir accompagné. Donc la structure du morceau est assez simple, donc introduction A, B, A'. Petite précision aussi, je voulais vous dire que la version sur laquelle je me suis basé, c'est une version live extraite du Late Late Show, donc l'émission américaine, en 2002. Donc maintenant, on va passer à l'introduction et au A directement. Donc maintenant, je vous propose de passer au B. Donc à présent, je vous propose de vous montrer le petit lick que je fais sur le A'. Donc on commence sur le petit break, enfin le petit plan qu'on fait à la fin, la fin de chaque A. Ensuite, on tire sur le Do, 5e case, corde de Sol. On tape sur le Fa, 3e case, corde de Ré. Et on retire encore le Do, ce qui va faire du début. Et ensuite, juste à la fin, on fait Sol, La, Do, La, à l'octave. Ne pas oublier le hammer entre le Sol et le La. Je refais du début. Donc maintenant, je vous propose de vous montrer ce que je fais à la fin. Thank you.
Bonjour, je suis Antoine Beaumont, élève à la MAI. Alors, je vous ai présenté un morceau de Prince qui s'appelle Let's Work, que j'ai interprété avec Bastien Fréville à la batterie et Gabriel Godefroy à la guitare. Donc, ce morceau est donc un morceau de Prince, comme je le disais, et publié aussi dans l'album Controversy de 1981. Donc, le morceau se décompose en quatre parties, avec des variations sur chaque fin de tourne, en fait. Donc, je vais vous montrer la première. Voilà donc la première. On va tout de suite passer à la deuxième partie. La particularité de cette partie, c'est que en fait, sur le do dièse, on va laisser la quinte sonner en fait. Voilà, c'est ce qui varie avec la troisième partie qu'on va vous faire maintenant. Donc jusque là toutes les parties se ressemblent toutes et la dernière change sur la deuxième partie. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon. Merci.